Morbide. Effectivement, ce matin, en me réveillant, c'est le 1er janvier, normal quoi, je me lève et je vais regarder le vlog de Logan Paul, je sais pas si vous connaissez, c'est un vlogueur, il fait des vidéos tous les jours, bref, et je trouve le titre de la vidéo du jour un peu putaclic, on va dire. Donc en gros, le titre disait, on trouve un corps mort, inanimé, dans une forêt au Japon. Du coup, bah, j'ai regardé le vlog, de toute façon j'allais le regarder quoi qu'il en soit. Mais moi je me suis dit, c'est juste un petit putaclic, genre voilà, c'est un prank ou quelque chose comme ça, il va rien se passer. Et en regardant la vidéo, je me rends compte qu'en fait, c'est tout sauf un prank, c'est vraiment... ils sont vraiment tombés sur un japonais, enfin, le visage était flouté, mais ils sont tombés sur un corps d'une personne qui a commis un suicide. Et donc voilà, ça m'a complètement chamboulé, c'était de bon matin, genre 9h du mat. Et tu regardes une vidéo comme ça qui est censée donner de la bonne humeur et tu trouves qu'en fait bah, ça va pas très bien partout hein. Et je vous propose de visionner le passage où ils tombent sur le corps ensemble. Did we just find a dead person in the suicide forest hanging? Voilà. Hello? Hello? Yo, what the f actually? Yo, are you alive? Are you f***ing with us? This is very, dude, his hands are purple. This, he did this this morning. Oh no, I'm so sorry about this, Logan. This was supposed to be fun vlog. Donc, en gros, Logan et ses amis sont allés faire du camping dans la forêt d'Aokigahara, qui se trouve au pied du mont Fuji. Et cette forêt a la réputation d'être l'endroit le plus hanté au monde. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'en réalité, c'est l'endroit où les Japonais vont se suicider, en gros. En gros, il y a une moyenne de 100 suicides par an dans cette forêt, ce qui est plutôt gros. Et puis voilà, ils sont tombés complètement par hasard sur une personne qui s'est suicidée le matin même. Et ça montre à quel point... enfin... le contraste qu'il y a dans le monde. D'un côté, tu as Logan Paul qui a 22 ans, qui est super riche, qui a sa propre villa à Los Angeles, enfin, allez voir sa chaîne d'ailleurs, il fait des vlogs assez sympas, mais bref, c'est pas le but de la vidéo, c'est pas pour lui faire de la pub. C'est surtout pour dire que ce mec, tu vois sa vie, tu dis il a la vie parfaite. Et dans la même vidéo, tu te rends compte qu'en fait, il y a des gens qui ont tout sauf une vie parfaite. Parce que pour arriver au suicide, il faut vraiment être au bout du rouleau. Et voilà, donc je trouve ça triste. Franchement, demain matin, ça m'a un peu cassé le moral, on va dire. Je pense que malgré le fait que notre chaîne ne soit pas très grande, on est une centaine, mais c'est important de dire, voilà, si vous avez des problèmes, si vous êtes en dépression, parlez-en à vos proches, parlez-en à quelqu'un. Ne vous laissez pas voilà, descendre au fond jusqu'à arriver à vous pendre. C'est quand de mourir, d'abandonner. Je tenais à faire une petite vidéo sur ça pour partager avec vous ce que j'ai ressenti en tombant sur cette vidéo et en regardant cette scène. Donc voilà les gars, on va finir la vidéo ici. Je suis désolé, c'est pas une vidéo très gaie, mais j'avais envie d'en parler. Donc je vous le redis encore une fois, ne vous laissez pas aller à la dépression et n'ayez pas une attitude suicidaire. Voilà. Rappelez-vous qu'il y a toujours des gens qui tiennent à vous. Peut-être que ces gens ne le manifestent pas explicitement, mais il y a toujours quelqu'un qui tient à vous. Et vous n'êtes pas seul. Vraiment, essayez de bouger, de sortir, de fréquenter des gens, je sais pas, de regarder des trucs à la télé qui font plaisir. Des dessins animés, c'est pas grave, c'est pour les gamins. Et alors, au lieu d'aller regarder un film d'horreur ou je sais pas, un film qui parle de chagrin d'amour ou je sais pas, aller regarder un dessin animé, un cartoon innocent. L'innocence, c'est ce qui manque, l'innocence. C'est important, ça. Et puis voilà, les gars, donc... vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, si vous voulez des vidéos de ce genre aussi sur la chaîne. Pas que du gaming, peut-être que ça vous intéresse. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour voilà, une petite prévention contre le suicide, parce que c'est grave. Et puis, prenez soin de vous d'ici la prochaine vidéo. Ciao !